Les frérots, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à tous sur cette deuxième vidéo de notre carrière avec le prodige, les gars, la pépite, l'alien. Je sais toujours pas comment l'appeler tellement il est chaud. Aujourd'hui, on doit faire la finale du lycée, si je dis pas de bêtises. Mais avant ça, je me suis un petit peu baladé. Vous avez vu la nouvelle ville un petit peu? Pas mal, non? Ah ouais. Les frérots, on a fait du sale sur le premier match. On doit faire du sale sur le deuxième. Finale universitaire, on doit se régaler. Toujours dans l'histoire de notre bonhomme. Mais avant ça, on va aller là-bas, là, au Gatorade Center. Pour aller s'entraîner vite fait, parce que ça j'avais oublié de le faire, faut qu'on aille s'entraîner. D'ailleurs vous avez vu un petit peu ma tenue, franchement pas mal non, surtout le pull, c'est le même pull que dans le jeu, tu vois, genre j'étais là-bas et tout, du coup petit exclu, t'as vu, c'est la seule exclu que j'ai eu vu que ceux qui étaient là-bas américains, ils ont pu jouer au jeu en avance, genre beaucoup plus tôt que moi. Mais vu que je suis français, j'ai pas le droit. En tout cas, gros big up à tous les gars, merci infiniment pour vos nombreux likes, vos nombreux commentaires. Ça m'aide énormément, vraiment, merci à tous. Je compte sur vous pour continuer les gars, pendant que je continue de faire mon petit sport là, t'as vu? Plus vite là, dépêche-toi! Voilà. Et les amis, je vous offre un petit NBA 2K25 édition Hall of Fame. Pensez à lâcher un petit commentaire, un petit like. Franchement, ça c'est des trucs qu'à la base, je les fais tous les jours à la salle. Je suis un monstre, mais là ça fait 2 mois frère, j'ai pas fait de sport. Même le fer surtout qui est gros, ça me fatigue. Paf, Laurent Toudunk paf, il s'est blessé pendant 2 mois là. Vous savez, j'ai encore une infirmière qui vient chez WAM frère. Hein. Eh, en tout cas, c'est grave essayé de s'entraîner le long de la plage comme ça. Hein. Ils ont vraiment fait du bon boulot, hein. Regardez la ville, elle est tellement plus petite, c'est un plaisir. Je vais vous régaler les gars, je vous l'ai déjà dit, les likes, les commentaires. Franchement, n'hésitez pas parce que je vais vous régaler. I can't believe how many North Beverly hats I saw today. Man. Front running high school team is crazy. Yo, that's what happens when you win 8 straight titles and you're the most exclusive private school on the north side of Chicago, man. 5 assistant coaches. Full time. Mm-hmm. That means they've been scouting you for months. Guess I'm gonna have to just go in there and do my thing, you know what I mean? Stop playing, MP. Do you want to win, bro? Of course I want to win. What you talking about? Pass the rock. Are you? Faut que je fasse dépasser. Ok. Je suis un croqueur, mais. I get that. But we can shoot. All right, especially if we're wide open and they're throwing doubles at you with their all-star recruits, man. Yo, Patrick. Ever since you got to Plainview, you've been telling me to take over, prove to the scouts that I'm an NBA player. Yeah. And now we're on the biggest stage, and you sitting here to tell me to play timid? You scared? You nervous? What's up, man? Scared, man. It's North Beverly. Ouais, c'est vraiment l'une des plus grandes facs de l'université de la planète du monde, quoi. Can't lose to those guys. Hold on. Why? Because you play with half of them on your club league team? It's not the players, man. Ah, les potes avec des mecs d'en face, ok. On scholarship. I'm talking about the fans. I can't stand the fans, man. They've been getting everything handed down to them. Their entire lives, man. And they swear it's because they're better than you. Yeah, no, that's real. Meanwhile, somebody from Plainview can work twice as hard as them, and they'll never, ever get the same opportunity. I hear you. That's exactly what I'm saying. Ok, on va, en fait, on va taper du bourgeois, quoi. Ils ont un petit peu de jalousie, là. On va leur prouver c'est qui les patrons. Is the guy who shut down the garment factory. And my grandfather, he worked there for 37 years, bro. 37 years, Patrick. Ok. Bon, il va falloir qu'on distribue des balles. Il y a intérêt que Patrick, là. Mon bon vieux Patrick, là. Le copain de Bob l'éponge, il y a intérêt que tu les plantes, tes paniers. If you force up shots, we're gonna lose, man. The stock's gonna drop. Who's left for me to manage? Go with this managing thing, man. How about you just worry about knocking down your shots tomorrow, and then we'll talk about it, all right? That's not a problem. All right, then. Plainview. All right, man, let's get out of here, bro. La grande finale dans le stade, messieurs dames, des Mythic Bulls, pitoyable depuis quelques années, mais vas-y, ça c'est un autre problème. C'est pas cool. Les gars, on doit faire du sale, on doit gagner cette grande finale universitaire, enfin cette grande finale du lycée, et on doit surtout distribuer un maximum de balles, les gars, pour essayer de se vendre un maximum, parce qu'il y a un graphe de scouts partout. Est-ce qu'on va vraiment finir 37e choix de draft? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on va se faire connaître aujourd'hui, les gars, on va régaler le bon vieux Patrick. Regardez comme on est BG, eh, vous trouvez pas j'ai pris du muscle un peu là? Depuis que j'ai fait l'entraînement tout à l'heure, vous trouvez pas j'ai pris du muscle? Let's go!
Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Tom, tu sais, on les connaît pas les mecs d'en face, on sait juste que on va en briser un ou deux. On a la deuxième barre en plus. Là, les gars, on a le cardio, on est prêt, hein, vraiment. Franchement, hey, petit speed là, hop, hop. Première passe D, première passe D. C'est pas cool. Oh, mec, première passe D. Là, il va vraiment falloir que je me concentre un peu, les gars, hein, parce que des fois, je fais le malin. Mais qui fait le malin tombe dans le ravin. Oh, je t'ai vu. Oh, Wells, si tu le plantes pas, je te jure que je te... Tiens. Ok, viens là. Pick and pop. Lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars sûr. Regarde, il va le planter. Après, les gars, prenez vos shoots en vrai, non? Oh oui, let's go. Non, les gars, franchement, cette petite carrière, elle est vraiment cool. Ce petit début de carrière. Ça... Bah, je vous l'ai dit hier déjà, hein, mais ça ressemble de fou aux anciennes carrières, à l'ancienne, ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Franchement, c'est plaisant. Je suis vraiment content d'avoir commencé... Pas la carrière directement. Bah c'est une carrière quoi, on suit vraiment un petit peu tout. Oh le bâtard. En plus apparemment derrière on aura la NBA, on aura vraiment une espèce de progression. On n'est pas titulaire dès le début, il n'y a rien de chelou apparemment. Donc franchement ça fait grave plaisir, on y va. Let's go. Ok. Pas de choix de faire les passes en vrai. Duramenko. Tous ces mecs là les gars ils iront même pas en NBA. Il n'y a que nous frère. Pour l'instant j'ai par contre, autant j'ai une tête de daron, autant j'ai un corps de lycéen. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut vraiment... Que je m'achète des équipements, les gars, des petites brassières et tout. Ok, Prachumsi. Ah, par contre, prenez vos shoots, la tête de WAM, prenez vos shoots. Hey, WAM ! Voilà. Non, les gars, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais mon perso, moi, il est déterminé. Je vous l'ai déjà dit, mais il va faire des dingueries, il va faire du sale. Je pense que je vais vous sortir d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Les gars, la vidéo build sortira ce week-end, vous inquiétez pas. Oh ! Oh ! Oh ! Easy ! Hop, switch. Par contre, 7 points, 7 à 5, les gars. Hein, je mets les 7 points de l'équipe. Il va falloir se démarquer. Il dit prise à 2, prise à 3, prise à 5. Rien à faire, les gars. Hein. Je devrais shooter direct, mon ref. Moi, je m'en occupe. Hop. Vas-y. Ma première passe D. Hey, la tête d'homme. Mais putain, mais saute et mets-le, gros. Comment tu veux que je fasse des passes D avec des mecs comme ça? Voilà, là il est open. Là il va finir. Non. Hey frère, je vais péter mon crâne. Nice dit mec, c'est bien. Voilà, hop, on continue. Hey, quatrième rebond encore. Hop là, vas-y tricot. Franchement, j'essaie d'aller vite, j'essaie de faire des trucs. Mais ils font air frère. Regarde, je suis tout seul, évidemment que j'y vais. Évidemment que je vais lâcher dunk. Frère, on est monsieur tout le monde. Franchement, je pense que notre perso, il est illégal. Quand vous allez voir le build, vous allez craquer votre slip. Il est illégal. Voilà, les gars, bonne dé. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va voir la fin du premier quart. J'ai toujours pas une passe. Hop là, regardez, ma première passe, est-ce qu'il est obligé de shooter? Et il le met en plus, vous allez voir. Hop là, voilà, bonne dé. Super, frère. Il peut rien faire, la tête d'Oam. Maintenant, on court, on galope. Tu marches vers gauche. Hop, Wells, t'es vu. Tu plantes. Mais faut shooter pour marquer, putain! Après, c'est pas, c'était. Comme on dit, flop. C'est parti tout seul, j'avais même pas. Ça se voit, c'est moi qui les ai emmenés en finale, les gars, ça se voit. L'autre, il dit, ouais, si tu forces, on va perdre. Si tu crois qu'on va perdre, nanani, nanana. Frérot, pour l'instant, je mets les 12 points de l'équipe. Est-ce que c'est bon pour vous? Je prends même les 5 rebonds. Je suis Russell Westbrook. Voilà, regardez, je suis Russell Westbrook, je vous ai dit. Au bout d'un moment, faut shooter, les gars, faire quelque chose. Je vous jure. Voilà, shoot. Ma première passe D. Merci. Merci, je sais pas qui t'es. On se souviendra pas toi, mais tu l'as mis. En vrai, dites-moi les gars, vous, de votre côté, par quoi vous allez commencer? En vrai, c'est bien quand même d'avoir le choix de commencer soit directement au NBA ou soit par la carrière vraiment, on va dire. Moi, je trouve... Alors, dites-moi vraiment. Hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool de faire la carrière en premier. Au moins, ça t'explique un peu... Enfin, je sais pas, c'est une ligne un peu éditoriale, tu vois. Que si tu commences par la NBA et ensuite tu veux connaître l'histoire de ton bonhomme, c'est pas ultra logique, tu vois ce que je veux dire? Non. Vous, je sais pas par quoi vous allez commencer, les gars, dites-moi. Je trouve que ça a plus de sens, perso, de commencer directement par l'histoire de MP. C'est un peu plus... vraie carrière, quoi. Oh, le bâtard, merci pour l'aide. T'es un crack. Et hop, mon 8ème rebond, les gars. Hein. Hop là, Wells, fais-moi quelque chose, là, un petit gris-gris. Mais frère, il sait rien faire, à part... Je suis obligé de faire des pick and fade. Ils savent rien faire d'autre. Là, il va shooter, il le plante, deuxième passe D. Nope. Non, j'étais à la salle, frère. Tu peux pas me taffer comme ça, j'étais à la salle. Tu peux rien faire, gros, je t'ai dit, j'étais à la salle. Que de la...
Regardez, on va essayer de faire un espèce de système. Ça se trouve, c'est ça que je dois faire, hein, pour faire des... Ouais, mais système, c'est-à-dire que j'aurai pas la passe D. Moi, il me faut la passe D, frère. Hop, ok, c'est un écran pour WAM. Oh oui! Oh oui! Oh, c'est con, mais ça! Mais non, mais gros, c'est un délire! Mais comment c'est possible? Gros, il était tout seul! Putain, c'est un truc de fou! Allez, plante tombeau. Merci, deuxième passe D. Vous avez vu ce qu'il a loupé? Il était tout seul sous le panier. Je comprends pourquoi il va finir manager. Voilà, bonne D, frère. Voilà, merci. Merci, monsieur propre. On continue, on court. Eh, hey, Wells, un jour dans ta vie, tu mettrais un panier ou c'est comment, là? Il sait pas, il sait pas. Il a juste une... Franchement, il a juste... Il a rien. Au-dessus, pour voir? Ouais, non, je peux pas, frère. Mais oui, on est sur Touquet 25, frère. C'est pas Touquet 23, pas Touquet 22, j'y vais. Les bugs, ils défendent rien. Allez, c'est la mi-temps, les gars. On est devant Duman & Co. et tous les autres cracks, là. Pour l'instant, on les mène en bourrique, messieurs, dames. Ils peuvent rien faire grâce à moi-même, les gars. À la puissance du boss, les gars. La puissance du crack, la puissance du prodige. Le quel coach ne me sort pas. Je sais pas, il va pas me sortir. Ça me clôt le carton. Par contre, faudrait plus que ça en vrai. Mais en plus, on mène que de 2 points. Hein. Faut faire gaffe. Oh, nice. Ben ouais, je l'ai, mec. Dommage, c'était pas moi à la passe. Après, la priorité, ça reste quand même de gagner. C'est juste si je veux réussir le défi au maximum, il faut que je fasse les passes. Oh, oh, oh! C'est pour ça que tu iras pas en NBA, parce que moi, je les mets, ces shoots-là, frère. Ok, je t'ai vu. Monsieur propre, le boss! T'es mon gars! Ok, c'est tricot, je t'avais vu un peu, mais... Hey, monsieur propre, c'est mon gars. Regardez, il va faire la diff. Ok, j'y vais. Let's go, le dunk! Magnifique, frère! Let's go, le dunk! Désolé, monsieur propre, j'étais obligé, là! Allez, 6 points d'avance, les gars. 14 points, 8 rebonds, 3 passes. Allez, on va changer... Un petit pic, mais pour une autre personne. S'il te plaît. Merci. Magnifique. Regardez comment je lock. Aïe. Regardez, je vais revenir. Il mérite. Allez, Wells. Je t'ai vu. Ou monsieur propre. Ou moi. Ou moi, frère. Tout droit carré, gros. Tout droit carré. Ou moi, frère. 9e rebond, les gars. Je suis un boss. Monsieur propre encore, frère. Il est toujours tout seul. Franchement. Il trace direct, il cherche même pas, il sprint, il sait qu'il aura la balle, c'est mon gars. J'espère qu'il sera drafté à Minnesota lui aussi. Hein. Draftez-le, faites quelque chose. Si clairement, un crack, hein, vraiment. Bon, après, il y aura quand même Rudy Gobert, Karl Anthony Towns. Je pense qu'on sera pas dégueulasse. Bon, j'ai peut-être oublié Anthony Edwards aussi. Bon, après, pour l'instant, au début, il y aura personne, hein, parce que je serai remplaçant, donc, enfin, j'imagine. Ils sont trop confiants en moi, les gars. Oh oui, le pick and roll, voilà, tu finis. Toi, t'es un crack, mec. Attends, il est où notre pote d'ailleurs? Il est là, floppy. Allez, frère, c'est ton moment. Il a son écran. Il a... Ouais. Il a encore son écran off-ball. Hop, il ressort. Il est open. Il shoot, ça rentre. Let's go! T'es un boss! Match de zinzin. Franchement, bonne dé encore. Match de... Ouf, chiche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu, là? Je sais pas du tout ce qu'on va faire. On va tester un truc. Système au hasard. J'adore, je les systèmes sur Touquet maintenant. Oui, non, mais frérot aussi. What? What the fuck? Gros, c'est KD le mec. Hop là, le double-double. Let's go, champion, messieurs dames. Champion, messieurs dames, le premier trophée. Pour moi, les gars, wesh. En plus, on prend tout. On fait les passes des, on prend les étoiles, on va prendre tous les boosts, on va prendre tous les bonus. On s'est régalé. J'ai fait un match de malade, hein, franchement. Il est content, hein. Il a mis un shoot, frère, il est content. Putain, il a 1 sur 7, le ref, mais il est content. Par contre, pourquoi les deux chats qui sont pas à ma table, là, monsieur propre et l'autre, là? Ils mériteraient d'être là, les deux là, je sais même pas c'est qui. Come on, man, that was some emotional stuff, yo. Bro, I had tears, especially because, like, this is it for me. Mm. You know? I'm not playing college ball, and I'm definitely not playing in FIBA like our boy come here. Come on, man, chill out. Now, FIBA and tout, I never left Illinois, and you're going all the way to Hungary to play for our country? Yo, that's wild. Comment ça, moi? I can't even think about that right now. Comment ça, je vais aller en Hongrie? Focus on graduating first, and that's it. Come on, man, you got the best grades on the team, and you talking about you got to graduate first, like you something at risk. You, hey, it's just one step at a time, P. You know, it's that's how you get to where I'm at, man. Yeah, that and being a freak athlete. Nah, that don't hurt. But if you're trying to build something big, you got to do it brick by brick, man.
speaking of bricks, Benny over here been putting up bricks all season. C'est vrai, il a raison. Franchement, il a raison. I got jokes, I got the looks, I got the charisma. Delusional self-esteem. Whoa! Throwing shots. All the time, man. Eh bien, messieurs, dames, c'est la fin de ce deuxième match carrière, les gars, de ce deuxième épisode. J'espère que vous avez kiffé. Hein, likez, les gars, en bas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Le petit commentaire, je vous rappelle, pour gagner un petit 2K25 Hall of Fame Edition. Donc voilà, je vais vous régaler. Vous pouvez me suivre sur les réseaux aussi, sur Twitch, je suis en live ce soir. Je suis en live tout le temps, de toute façon, que samedi soir. Je serai pas en live parce que je serai à Paris. Dis à demain, les gars, ou à ce soir. Là, on va représenter Team USA. Ça, c'est une dinguerie, par contre. Ça, c'est une dinguerie. À demain, les gars. Je vous aime.